Il ne peut pas y avoir de transition politique sans transition économique. Mais s'il n'y a pas de transition économique, il y a un risque certain de voir les acquis de la démocratie remis en cause un jour. Donc il faut plus de transition économique. Sans cela, il ne pourra pas y avoir zéro pauvreté, c'est impossible. Ce que je vous dis là, c'est mettre en place des réformes qui permettent d'assurer une meilleure redistribution de la richesse. J'en viens au deuxième thème, zéro exclusion, qui commence par l'exclusion économique et qui peut finir. L'exclusion sociale peut mener à des phénomènes de radicalisation. Donc c'est aussi pour cela qu'il faut ensemble travailler sur cette thématique. Je terminerai par le zéro carbone. Je ne sais pas si les engrais phosphatés sont le meilleur futur pour l'agriculture de la Tunisie. Ce que je sais en revanche, c'est que les Européens ont décidé de passer sur des engrais verts. Et il s'est avéré, m'a-t-on expliqué à plusieurs reprises, que en matière de production, de rendement et de salaire, les engrais produits à partir des déchets de la palme sont plus intéressants du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue humain que les phosphates. Donc je pose la question, est-ce que l'investissement vers le futur ne devrait pas aussi passer par une réflexion sur ce retraitement-là ? Mon message est simple, la Tunisie a les solutions, la Tunisie a les talents, la Tunisie a pour meilleur ami l'Europe et ses États membres naturellement. Tout est une question de bon sens et de volonté politique de mon point de vue. Je vous remercie.